Bonjour à tous et bienvenue ici en direct du centre d'entraînement Ourédou. Ça y est David, ça va être la dernière 38e journée de Ligue 1, 50e match de la saison du Paris Saint-Germain. On est prêt à fermer le rideau sur cette saison, dernier entraînement ensemble. Good morning Amber, welcome to the Ourédou Training Center for the last training before the last home match of the season, the 38th match of the season against Metz at home as I mentioned. We're obviously inside because the weather here is poor today. Thunderstorms outside but training goes on. Exactement. Alors David et moi, on s'est un peu mis à l'abri, c'est vrai, pour ce tout dernier live, parce que c'est pas pourquoi la chance n'a pas été de notre côté. C'est les averses ici sur la capitale parisienne pour ceux qui sont bien au chaud, donc on a voulu faire de même. Les joueurs, eux, comme vous le voyez dans le deuxième écran, eh bien commencent à sortir sur le terrain. Eux, ils vont pas échapper à la pluie. That's right. First place in the league going into this match, as everyone already knows. 83 points on the season so far. 15 points ahead of Monaco and Marseille coming into this match. Exactement. 15 points d'avance pour le Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est vraiment pour le côté symbolique. Parce qu'on vous l'a dit, le Paris Saint-Germain a été sacré avec son 10e titre de champion de France. Ça remonte un petit peu déjà. Donc désormais, c'est un peu plus cool. Un peu moins de pression ici sur les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont jouer pour le plaisir au Parc des Princes où ils sont tout simplement invaincus cette saison à 18. 8 matchs de Ligue 1 disputés. Donc on espère une chose, David, jusqu'au bout, maintenir l'invincibilité au Parc des Princes. Yeah, are you ready for the celebrations tomorrow after the match against Metz, of course. Coming into this match, of course, Paris Saint-Germain at home, unbeaten. Wins, 3 draws and 18 matches at home. We'll hopefully finish the season. On espère. Let's see. Hopefully finish the season 6 times unbeaten at home. Exactement. Et puis il le disait juste avant, juste derrière, eh bien le Paris Saint-Germain, le train, ça s'affole un peu hein, entre Rennes, Marseille, Monaco qui se tiennent en 3 petits points. Donc c'est sur cette dernière journée qu'on va voir qui sera le dauphin du Paris Saint-Germain. Yeah, that's right. Now, tomorrow's opponents, Metz, they're already relegated to League 2 for the season, but they come into this game with 2 wins, 2 losses, 1 draw in the last 5, but they're winless away from home in the last 7. Enfin, en fait, ils jouent leur survie en Ligue 1. Ils sont actuellement 18e de Ligue 1. Il va falloir qu'ils fassent mieux que Saint-Etienne pour espérer jouer les barrages. Donc, évidemment que ce match, il sera déterminant pour eux, pour les hommes de Frédéric Antonetti. Donc, nous, bah, on espère quand même faire le job jusqu'au bout et ne pas leur faire de cadeaux, même s'ils ont réussi à décrocher cette place alors qu'ils étaient déjà presque relégués, eh bien, en réussissant leur tout dernier match. David, on voit que ça sort un petit peu derrière. Alors, on voit en plein écran Kylian Mbappé qui est là. Kylian Mbappé, on peut forcément en parler à l'homme qui est au centre de votre écran. C'est simple. Eh bien, il est impliqué dans 42 buts en Ligue 1 cette saison. 25 buts, 17 passifs. C'est le total le plus élevé des 5 grands championnats européens. Il est à lui tout seul. Alors là, petite anecdote, impliqué dans 7 buts de plus que Metz en a marqué cette saison en Ligue 1. 35. Hallucinant. It's good to see Kylian Mbappé back with the team today. As Amber just pointed out, he's been involved in 42 league goals this season, 25 goals, 17 assists. That's the most in Europe, top 5 leagues. So Mbappé has been in form. Of course, he was just awarded the UNFP Player of the Season, Ligue 1 Player of the Season. For the third time. Exactement. Et décisif, ça veut dire les buts. Il en a un de plus que Ben Yedder. Il reste plus que 90 minutes à jouer. Et ça veut dire 17 passes décisives, 4 de plus que son coéquipier Messi. Attention, il n'est plus qu'à une petite unité du record en Ligue 1 détenu par son coéquipier André Di Maria avec 18 passes décisives en 2015-2016. On imagine que Kylian, il va faire le job dans les deux costumes. That's right. Mbappé loves records and he's just one assist away from equaling Di Maria's single season record for assists. If he gets 2 in tomorrow's match, he will break that single season record. 25 goals, 17 assists in the league. For the first time in history, in Ligue 1 history, he could finish top of both in goals and assists. Exactement. Et il y a un homme que vous ne voyez pas tout de suite à l'instant T dans l'écran, mais vous l'avez vu juste avant, il est bien à l'entraînement. Alors là, on voit Léo Messi à la droite, on voit André Di Maria, et on va voir un certain Neymar Junior que vous voyez juste derrière Marco Verratti. Et Neymar Junior, il en est à 99 buts, David, avec le maillot du Paris Saint-Germain. Il va peut-être rejoindre Cavani, Mbappé, Ibra, Pauleta et Rocheteau. Ce sont les seuls à être dans le club des 100. Yeah, one goal away from 100 goals for the club, for Neymar Junior. Of course, there are some players like Cavani, Ibrahimovic, Mbappe, Rocheteau ahead of him. Pauleta, of course, as well. He just needs one goal more to join that club. Exactement. Bon, je pense qu'on vous a donné pas mal de billes, là. On va les laisser s'entraîner sous la pluie. Avec David, on reste bien au chaud, mais promis, on fera le point sur ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, juste après, David. On vous les laisse profiter. Yeah, that sounds good. Watch training, and we'll let you know who's in or out just after. À tout de suite. Vamos.
más alto. Sí. Ahí, bien. Si yo juego contigo, juegas con él. Más cerca, Espino. Stop, 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 stop. No, no, no. Ah, paga, paga. Ahí. Bien. Espino, ponte más cerca, que si no es... Bien, 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 bien. Muy bien. Dale, juega. Sí. Más alto. Y ahora reinicia. Solo. Ahí, bien. Buena. Boni. Bien. Boni, Tony, con los frentes. Perfecto. Aquí, Tony. Tiro. Fino, vamos, vamos. Calidad. Fino. Buena. Buena. Quiero más arriba. Ahí, bien. Muy bien. A ver quién bloca mejor. Ahí.
cage. Bien, hay que dar un paso para adelante. No, no, Julián. Espera, espera. ¿Te va a estar flojo? Dale. Bien, doy un paso. Vamos a trabajar. Un paso. Más. ¡Hostia! Bien. Cinco flexiones. La última.
La más importante. Et voilà, nous arrivons au terme de ce quart d'heure d'entraînement. Les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont doucement continuer à s'entraîner derrière. Mais simplement, nous, on va tourner les caméras parce qu'il est temps pour Mauricio Pochettino, même si c'est pour la 38e et dernière journée de Ligue 1, de s'entraîner en toute intimité pour ne pas qu'on sache les derniers préparatifs de ce match. That's it. That's right. This is the last training center, the last live training that we're going to do before the 38th match of the season tomorrow at home against Metz. Before, we said we would let them know who was in and who was out. Do you want to start? Bah oui, je peux commencer si vous voulez. Alors d'abord, il en manque un à l'appel, mais on le savait, il avait été opéré. C'était la fin de sa saison. L'Argentin Leandro Paredes manque à l'appel. That's right. Paredes is the only player missing from training today. He's the only player out. Of course, we do see the return of Neymar and Kimpembe from suspension. Exactement. Just before that break, we let you know that Neymar is on his 99th goal. He's got one more to join the 100th club mark. Hopefully he can do it. Exactement, plus qu'une petite unité pour Neymar Junior pour rejoindre les 5 autres joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain qui font partie de ce club décent. Neymar, qui tout comme Presnel Kimpembe, fait donc, comme le dit David, son retour de suspension après le dernier match face à Montpellier. Il s'est purgé. Et puis il y a d'autres joueurs qu'on a vus aujourd'hui, Draxler, Mauro Icardi et Abdou Diallo, qui ont quitté l'infirmerie et donc le point médical à cette occasion. Ils se sont bien entraînés avec leurs coéquipiers. Now, last game, of course, was that win away to Montpellier, 4-0 away from home, before the trip to Qatar. Ouais. But the last time we played Metz, do you remember the score is 1-2 away from home, Hakimi getting both those goals with a late, late winner. Exactement. Mais surtout, moi, David, j'ai une stat. La dernière fois qu'on a perdu face à Metz, c'était il y a 15 ans, en 2007. Donc pour dire, depuis le Paris Saint-Germain a fait fort et 16 matchs sans défaite face au Grenat. Et puis, comme le disait David, on reste donc sur une très belle victoire 0-4 sur la pelouse de la Mosson à Montpellier avec un doublé de Messi, un but d'André Di Maria, un pénalty de Kylian Mbappé. Qui dit mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, on espère que pour cette dernière journée de Ligue 1, on va continuer sur cette belle dynamique. Yeah, that was a great stat that you just mentioned. Paris have won the last 11 games versus Metz, haven't lost a match or haven't. The last draw, in fact, was in 2007. So every match since then has been a win. 11 wins, 3 draws in the last 14 matches at home versus Metz. Exactement. Alors avec David, on a encore plein de stats et plein d'infos à vous donner. Mais la journée est loin d'être finie, le week-end même tout court. Parce qu'on va vous donner rendez-vous entre 13h, 13h30. Mais restez connectés à partir de 13h. Et le coach Mauricio Pochettino va venir ici avec nous pour la dernière de la saison, ici dans le studio de PSG Télé. Et puis évidemment, demain, on se retrouvera au Parc des Princes pour une très belle fête tous ensemble. That's right. Join us a bit later on for that press conference with Mauricio Pochettino at 1 o'clock or 1:15, depending when the coach is here. And then tomorrow, for the last kickoff of the season. Ouais, on sera là. At the Parc des Princes. 7:30, no? On va voir. On va peut-être faire un peu plus long cette fois, on a des choses à dire. Bon, on vous dit à tout à l'heure, en tout cas vers 13h. À toute, ciao. Ciao.